tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur de la mobilité électrique, mais bon là c'est plutôt pour rigoler, pour vos enfants. Donc c'est une petite moto qui est prévue pour les enfants à partir de 6 ans, donc c'est une idée cadeau de Noël. Vous allez voir, le prix est plutôt sympa et on va faire le montage, je vous montre. Donc quand hop, on ouvre le carton, donc il y a 2-3 petits éléments. Donc celle-ci est de couleur orange, mais il y a 4 couleurs différentes. Donc c'est parti pour le montage. Voilà la petite moto avec sa béquille. Donc je fais le tour du propriétaire. Alors je vous montre, en fait, vous allez voir, ça fait de la fumée. Il suffit de mettre de l'eau à l'intérieur de ces deux côtés et ça reproduit la fumée tout simplement. Ça c'est plutôt sympa. Ici donc vous avez la partie frein. Là vous avez la partie allumage. Donc le petit écran là, il fait très soleil, donc on voit pas grand chose, mais grosso modo c'est uniquement la vitesse qui apparaît. Et vous avez ici deux boutons, un pour activer la fumée, un pour activer le son. Donc voilà le bruit que ça fait. Si on accélère, ils se sont vraiment amusés. Et la partie fumée, je vous montre. Vous voyez, donc c'est plutôt rigolo, hein. On voit que ça fait de la fumée, c'est pareil des deux côtés. Voilà, donc c'est vraiment un petit joujou idéal pour faire un cadeau à Noël, pour un anniversaire, pour faire plaisir juste à votre enfant. Donc franchement, c'est très très sympa. Ils vont beaucoup s'amuser. Après, comme je le redis, 6 ans, ok, faut avoir l'équilibre. Même quand on sait faire du vélo, c'est un petit peu différent, donc il faudra s'y habituer. Et après, voilà, c'est prévu, je crois, jusqu'à des enfants de plus de 60 kg. Alors on voit que c'est possible, hein, mais ils ne sont pas forcément très à l'aise dessus. Quand ils commencent à mesurer voilà, quasiment 1m50, bon, ça commence à être un peu grand pour ce type d'engin. Mais franchement, voilà, n'hésitez pas, c'est très très sympa. Vous avez la lumière à l'avant, il y a également des lumières, je ne sais pas si vous les voyez en plein jour. Voilà, ici au niveau, je dirais, des faux, du faux moteur, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la moto. Ce bruit, comme on dit, c'est paradoxal sur un véhicule plutôt de type électrique. Mais par contre, pour le coup, bon ben voilà, ça va plaire aux gens qui sont puristes sur ce type de moto. Donc le modèle que je vous ai présenté, c'est effectivement le modèle Hypergogo Challenger 12+, donc avec l'option de la fumée et du bruit. Il y a un modèle sans ces options-là un peu moins cher, il y a un modèle avec une application mobile un peu plus chère. Donc le lien est en description directement pour le retrouver sur Geekbuying, en sachant que le stock est en Europe, donc vous le recevrez plutôt rapidement chez vous, en moins de 7 jours, et que vous pouvez effectivement avoir des options de paiement. N'hésitez pas à aller découvrir ce site. Je vous dis à très bientôt, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube. Je reste disponible si vous avez des questions dans la description. Allez, bye bye.